Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Il est 19h, je vais vous demander, pour ceux qui ne sont pas assis, de bien vouloir s'asseoir. Et nous allons commencer cette séance de conseil municipal. Donc, en l'absence de Pascal Briffaut, empêché, maire sortant, et en application de l'article L21-22-17 du CGCT, en ma qualité de première adjointe pendant encore quelques minutes, voire quelques secondes, j'accueille donc les nouveaux élus. Avant de procéder à l'appel et à l'installation, je souhaite simplement dire trois choses courtes. J'ai été très fière durant ces 6 années de me mettre au service de la commune et de ses administrés. Je tiens à remercier tous les services municipaux pour leur implication et leur dévouement sans faille. Et pour conclure, je félicite la liste Ensemble pour Tyros pour son élection. Je vais maintenant procéder à l'appel des conseillers municipaux. Régis Gelès, Pierre Lafitte, Stéphanie Morado-Garay. Morado-Garay, oui. Je vais y arriver. Régis Dubus, Christine Gaillon, Guy Luc, Emmanuel Bressou, Jean-Marie Lafitte, Alain Lacave, Sylvie Barthélémy, François Martouret, Patricia Moreno, Pascal Broca, Sandrine Cotin, Céline Vagnard, Chantal Combeau, Thierry Zualda, Dua, pardon, ah, il fallait bien que j'en écorche un, hein? Zeldua, voilà, pardon de vous avoir écorché. Geoffrey Romain, Christelle Elozegui, Julien Leroy, Patricia Gattel, Stéphane Jacot, Béatrice Ducasse, Adeline Koumaio, Marielle Laberti, Gilles Dor, Coralie Lecollier, Thomas Casamayou et Gérard Albano. Gérald, qui est absent, je crois. Donc, je déclare installé, vous êtes tous installés dans vos fonctions, et je vais céder la présidence de l'Assemblée à Monsieur Luc, doyen d'âge. Et moi, je vous laisse. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée à tous, et pensez à protéger votre santé. Merci, Madame Chussot. Merci à vous. Bien, comme nous sommes tous présents, je vois le quorum est donc atteint. Nous allons donc commencer à proposer de désigner, je vais désigner mademoiselle ou madame Adeline Koumaio comme secrétaire de séance. C'est la Benjamin. Voilà, bon. Je vais vous inviter tous à procéder à l'élection du maire. Donc, en application des articles L21-22-4 et L21-22-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. Je vais faire appel à la candidature pour le maire. Donc nous avons M. Régis Gelès qui est candidat.
Et M. Gilles Dor est candidat également. Donc nous avons deux candidats. Alors vous avez devant vous une enveloppe et un bulletin blanc sur lequel vous pouvez indiquer éventuellement le nom de la personne que vous souhaitez avoir comme maire. Et vous avez un deuxième au nom de M. Régis Gélez. Donc je vais procéder à l'appel, à l'appel de votre nom. Je vous demande de bien vouloir vous présenter derrière nous à l'isoloir, afin de pouvoir procéder au vote. Et j'ai besoin de deux assesseurs. Un assesseur de la majorité et un assesseur de l'opposition éventuellement. Donc, Madame Gaillon, Monsieur Kazamayouk. OK. Bon, si vous voulez bien venir. Oui, voilà. Donc, vous vérifiez que nous sommes bien à zéro. OK. Bon, à l'appel de votre nom, je vais vous demander de bien vouloir venir et de vous présenter à l'isoloir. Monsieur Régis Gélez. À voter. Monsieur Pierre Lafitte. Non, venez. Madame Stéphanie Mora-Dogaray. Monsieur Régis Dubus. Madame Emmanuelle Bressou. Madame Christine Gaillon. Je vais voter. Monsieur Guiluc. Monsieur Jean-Marie Lafitte, je vous prie. Monsieur Alain Lacave. Madame Sylvie Barthélémy.
Monsieur François Martouré. Madame Patricia Moreno. Monsieur Pascal Broca. Madame Sandrine Cotin. Madame Céline Pianiard. Céline. Madame Chantal Combeau. Monsieur Thierry Zaldua. Monsieur Geoffrey Romain. Madame Christelle Elozegui. Monsieur Julien Leroy. Madame Patricia Gatel. Monsieur Stéphane Jacot.
Madame Béatrice Ducasse. Madame Adeline Coumeillou. Madame Marielle Laberti. Monsieur Gilles Dor. Madame Coralie Lecollier. Et Monsieur Thomas Casamayou. Bon, le scrutin est clos. Nous allons commencer au dépouillement. Nous avons donc 28 votants. Bon, pour en dépouiller, allez-y, c'est bon. Hein? Vous ouvrez et puis vous annoncez. Ou... D'accord. Monsieur Régis. Oh, non, mais non. Monsieur Régis Gélez. Régis Gélez. Régis Gélez. Monsieur Régis Gélez. Régis Gélez. Régis Gélez. Régis Gélez. D'or. Gilles Dor. Régis Gélez. 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 Régis Gélez.
Vas-y. Régis Gélez. Régis Gélez. Régis Gélez. Régis Gélez. Régis Gélez. Régis Gélez. Monsieur Gildor. Gildor. Régis Gélez. Régis Gélez. Régis Gélez. Monsieur Régis Gélez a obtenu 24 voix. Monsieur Gildor a obtenu 4 voix. Donc Monsieur Gély Régis Gélez est élu maire de la ville de Saint-Vincent-de-Tyrosse. Merci pour vos applaudissements. Bon, merci à l'ensemble du conseil municipal d'avoir participé à ce vote, d'être venu à l'installation. Je tiendrai à remercier l'ensemble des Tyrossais qui nous ont fait confiance, qui ont cru en nous, qui sont restés solidaires durant la campagne et qui ont validé notre projet. Maintenant, je vais répéter ce que j'ai dit le soir du premier tour. Nous serons les élus de tous les Tyrossais. Je serai le maire de tous les Tyrossais, de ceux qui ont voté pour nous, de ceux qui ont voté pour Gilles Dor, de ceux qui ont voté pour Gérald Albano et de tous ceux qui se sont abstenus. C'est-à-dire que nous serons à l'écoute de tous. Nous sommes légitimes pour porter notre projet. Il est évident que nous écouterons également la population grâce à nos nombreux soutiens, à nos nombreux relais sur le territoire. Alors maintenant, on va terminer le conseil municipal. Dès demain, nous serons au travail et moi, je souhaite qu'on tourne la page de la campagne, qu'on puisse travailler tous ensemble pour la ville de Saint-Vincent-de-Tyrosse dans de bonnes conditions, qu'on laisse les polémiques de côté et que nous nous retrouvions pour Saint-Vincent-de-Tyrosse. Voilà, merci à tous. Juste deux mots. Hein. Donc, félicitations, hein, Régis, pour ton élection. Hein. Donc, nous remercions donc, pour la liste donc, Ozon, donc tous les électeurs qui nous ont accordé leur confiance, bien entendu. Hein. Nous serons une opposition constructive, guidée par l'intérêt des Tyrossais. Nous serons validés et porter les projets et dossiers qui répondront aux attentes du plus grand nombre. Et bien entendu, nous serons pleinement présents à toutes les réunions du Conseil et des commissions. Merci beaucoup à vous tous. Pour poursuivre l'ordre du jour, donc maintenant nous allons passer à la fixation du nombre des adjoints. Comme nous l'avions expliqué lors de la campagne, nous avons décidé de fonctionner à 6 adjoints. Donc je propose la commune, avec 29 conseillers municipaux et une commune de cette strate peut avoir 8 adjoints. Et nous avons choisi de réduire le nombre à 6 par souci d'économie. Donc maintenant je mets ce choix au vote. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, 4 abstentions. Donc, nous aurons 6 adjoints.
Nous allons procéder à une suspension de séance. C'est purement formel. C'est la préfecture qui demande, avant de délire les adjoints, de suspendre la séance pour télétransmettre la délibération sur le nombre d'adjoints. Donc, suspension de séance, nous reprenons dans un quart d'heure. Messieurs, dames, la séance va reprendre. Donc la séance est ouverte. Juste pour le protocole, deux mots. Déjà, excusez-moi, je voulais dire les conseillers municipaux. Je me suis fait charrier par tous mes colistiers parce que j'ai accroché le mot tout à l'heure. Donc je les remercie de veiller à mon élocution. Et simplement, voilà, Guy souhaitait me remettre l'écharpe, donc nous allons y procéder. Revenons à l'ordre du jour. Donc, le nombre d'adjoints a été fixé à 6. Pendant la suspension de notre séance, nous avons pu transmettre cela au contrôle de légalité de la préfecture. Nous allons maintenant procéder à l'élection des adjoints. Les adjoints sont élus parmi les membres du conseil municipal au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Le vote a lieu au scrutin secret. L'ordre de présentation peut ne pas être le même que celui de la liste. Les listes incomplètes sont autorisées. Les listes doivent obligatoirement être paritaires, c'est-à-dire composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après deux tours, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et la majorité relative suffit. Le rang des adjoints résulte de l'ordre de leur élection. Donc, l'appel à candidature d'adjoint est ouvert. Je vais présenter la candidature pour Ensemble pour Tyros de Pierre Lafitte, qui sera premier adjoint, et dans l'ordre, Stéphanie Morado-Gareil, Régis Dubus, Christine Gaillon, Guy Luc et Emmanuel Bressou. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Nous allons procéder au vote. Alors, je vais rappeler les deux assesseurs qui ont officié brillamment tout à l'heure. Monsieur Casamayou, donc, et Christine Gaillon. Donc, c'est moi qui ai l'honneur de commencer. Alors, Pierre Lafitte. Stéphanie Morado-Gareil. Régis Dubus. Emmanuel Bressou. Guy Luc. Christine Gaillon.
Jean-Marie Lafitte. Alain Lacave. Sylvie Barthélémy. François Martouret. Patricia Moreno. Pascal Broca. Sandrine Cotin. Céline Vagnard. Chantal Combeau. Thierry Zaldua. Geoffrey Romain. Christelle Elozegui. Julien Leroy. Patricia Gatel. Stéphane Jacot.
Patrice Ducasse. Adeline Coumaillot. Marielle Laberti. Gilles Dor. Coralie Le Collier. Thomas Casamayou. Et Gérald Albano est absent. Donc nous avons 28 votants. Nous allons procéder au dépouillement. En liste, Pierre Lafitte. Pierre Lafitte. Pierre Lafitte. Pierre Lafitte. Pierre Lafitte. Liste ensemble pour Tyros. 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 Liste ensemble pour Tyros.
Liste ensemble pour Tyros. Liste ensemble pour Tyros. Blanc. Liste ensemble pour Tyros. Liste ensemble pour Tyros. Liste ensemble pour Tyros. Blanc. Blanc. Et blanc. Donc, sont élus adjoints Pierre Lafitte, Stéphanie Morado-Garey, Régis Dubus, Christine Gaillon, Guy Luc, Emmanuel Bressou, avec 24 voix et 4 blancs. Devant vous, l'ensemble des élus, vous avez la charte de l'élu local, c'est le point 5 de l'ordre du jour. Je vais procéder à la lecture de cette charte. C'est une information, il n'y a pas de vote qui suivra. Vous ne les avez pas ? Pardon, excusez-moi. Alors, la charte de l'élu local. L'article L. 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales consacre le principe de la libre administration des collectivités territoriales par des conseils élus. Ainsi, il précise des dispositions de bonne conduite des élus locaux à travers la charte de l'élu local. Point 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Point 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà, vous venez d'être informé de la charte. Maintenant, nous allons passer aux informations diverses. Alors aujourd'hui que nous sommes pleinement installés, je tiens à vous annoncer que dès demain, nous nous mettrons au travail, notamment en ce qui concerne le dossier de la friche Adidas. Les prochains conseils municipaux se dérouleront le 15 juillet et le 22 juillet. Et un point important, excusez-moi, M. Gérald Albano avait fait parvenir un petit mot me demandant de le lire. Alors je vais vous lire son communiqué. Communiqué de Gérald Albano, insoumis Tyros. Ce soir, le nouveau conseil municipal de Tyros est installé. Je remercie l'ensemble des électeurs qui se sont portés sur ma candidature et sur notre projet humain, social et écologique. Mon engagement a été total et ma motivation permanente, mais cela n'a pas été suffisant avec 10,75% des voix au second tour. Nous avons obtenu un siège au conseil municipal. Le scrutin démocratique, dans ce temps impacté par une crise sanitaire historique, s'est exprimé et ne me permet pas d'occuper le poste que je m'étais engagé à tenir à 100% de mon activité si nous avions gagné. Ma vie professionnelle va évoluer dans les années à venir avec une implication comme secrétaire départemental de mon syndicat. Son fonctionnement et sa ligne de conduite se traduisent par une indépendance totale dans ses comportements, ses analyses et son rôle. Mon engagement pour un monde social plus juste, des conditions de travail plus humaines et une meilleure répartition des richesses sera toujours ma priorité dans ce nouveau défi. Afin de préparer et tenir au mieux ce nouvel engagement,
Et après discussion et acceptation avec les groupes Tyros en commun et Insoumis Tyrosé, j'ai décidé de laisser ma place au conseil municipal et par la même occasion de me mettre en retrait de la vie politique locale. Je remercie et accorde toute ma confiance à Fusilla d'Estenab qui a accepté de représenter Tyros en commun au conseil municipal pour tous nos électeurs et tous les Tyrosés. Elle fera valoir avec respect, pertinence et conviction nos positions et nos valeurs dans un esprit constructif. Gérald Albano. Bon, l'ordre du jour étant épuisé, je vais clôturer cette première séance du conseil municipal. Je vous remercie. Alors, maintenant que pour terminer, un peu moins de formalisme, l'ensemble des élus, vous avez des documents à compléter ou à vérifier devant vous, fiche de renseignement et une fiche pour les tablettes. Et pour l'ensemble du public, je tiens une nouvelle fois à vous remercier pour votre présence nombreuse. Le pub de la Fougère est ouvert, tenu par l'UST Rugby, donc si vous souhaitez vous désaltérer, nous viendrons vous rejoindre pour partager le verre de l'amitié. Voilà. Merci encore.